Chacun, chacune. C'est... C'est une joie de vous accueillir et de pouvoir vivre ce moment avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyr Morvan et je vais présider et officier à ce moment. Donc je me réjouis beaucoup de vivre tout ce temps, cette journée avec vous. Et j'aimerais juste vous rappeler deux, trois petites consignes avant de pouvoir accueillir le cortège. Premièrement, vous demandez d'éteindre vos téléphones portables, ou en tout cas de les mettre sous mode avion, de façon à ne pas être interrompu pendant la cérémonie. Et puis aussi, vous dire que les mariés ont prévu tout ce qu'il faut en termes de vidéos, en termes de photos. Donc on vous demande vraiment, notamment ceux qui sont près de l'allée, de ne pas sortir vos appareils photos, vos téléphones, vos caméras, etc., pour prendre plein de photos, notamment pendant le moment du cortège. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Super. Voilà, donc je crois qu'on est paré pour pouvoir vivre et profiter pleinement de ce moment sous le regard de Dieu et puis avec Anouk et Joyce. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Your fragrance is intoxicating, your secret place.
Ça y est, on y est. Enfin. Bienvenue à Nuke Joyce, à cette cérémonie de bénédiction pour votre mariage. On est tellement heureux d'être là avec vous et j'aimerais vraiment saluer chacun, chacune, membre de la famille, amis de longue date ou plus récents. Et j'aimerais adresser une salutation particulière à tous ceux qui viennent de l'étranger. En cette période où ce n'est pas forcément facile de voyager, merci d'être là avec nous pour pouvoir vivre cette journée de joie avec Anouk et avec Joyce. Ce temps, on veut vraiment le vivre sous le regard et sous la bénédiction de Dieu. On sait que c'était aussi vraiment ce que vous aviez à cœur pour ce moment, pour cette cérémonie. Et on est vraiment heureux de le vivre avec vous. Toutes les personnes qui sont là vous aiment. Ou au moins l'un d'entre vous, en tout cas. Et aujourd'hui, votre joie, eh ben, c'est aussi la nôtre. Et je sais que vous aviez à cœur, du coup, de partager quelques mots pour saluer vos invités et pour pouvoir aussi leur parler de la façon dont vous voulez vivre cette journée et cette fête. Alors, je vous invite à prendre la parole. Bonjour à chacun, merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager cet événement avec vous, de pouvoir montrer aussi publiquement qu'on forme la famille Mayamba maintenant et de pouvoir vous le dire de vive voix. Merci aussi à tous ceux qui ont pu prier pour nous, qui ont pu nous soutenir dans la prière depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, puis encore les années qui vont venir par la suite avec notre couple. Voilà, alors vraiment, on va vous souhaiter de pouvoir profiter de cette journée, de pouvoir vraiment enjoy, de pouvoir avoir du plaisir à discuter entre vous malgré les règles sanitaires. Mais voilà, prenez du plaisir et voilà, soyez bénis. Si on est réunis dans ce temple aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'Anouk et Joyce trouvaient cet endroit joli ou agréable, mais c'est avant tout parce qu'ils souhaitaient vraiment vivre ce moment sous le regard de Dieu. Alors, je vous propose qu'on puisse lui remettre maintenant ce moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour la joie que tu nous donnes aujourd'hui d'être avec Joyce, avec Anouk, pour les entourer, pour célébrer cet amour que tu leur as donné et dont tu es la source, dont tu es aussi le but. Seigneur, que non seulement cette cérémonie, mais toute cette journée puisse être vécue sous ton regard, que nous soyons conscients, par ta grâce, que tu es là au milieu de nous, que c'est toi qui nous rassemble et qui nous bénit. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir vivre ce moment avec toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Des fois, dans les cérémonies de mariage, on connaît bien les deux mariés. Et peut-être que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Mais parfois, on est quand même un peu plus l'invité de l'un que de l'autre, n'est-ce pas? Alors j'aimerais prendre un petit moment maintenant pour vous présenter en quelques mots les mariés et quelques bouts de leur histoire. Alors pour vous présenter Anouk, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai contacté quelques-unes de ses amies proches ou membres de sa famille en leur demandant de me décrire en quelques adjectifs qui est Anouk. Si je ne vous ai pas contacté, c'est peut-être que je n'avais pas votre numéro de téléphone, ne prenez pas ça personnellement. Donc, parce que je me suis dit, mais finalement, on n'est jamais mieux présenté que par les gens qui nous sont les plus proches et qui nous côtoient le plus. Donc j'aimerais ici vous livrez les quelques adjectifs qui caractérisent Anouk selon ces personnes. Anouk, d'après ceux qui te côtoient, tu es sensible, tu es drôle, ça c'est revenu plusieurs fois, très honnête et authentique, voire un peu cash, ça c'est aussi c'est revenu, tu es douce, attentionnée, bienveillante, généreuse et créative. Voici quelques adjectifs qui viennent en tête à certains des membres de ta famille ou de tes amis les plus proches quand ils pensent à toi. Joyce, bah, j'ai fait de même pour toi. Et je trouve que tes amis sont un tout petit peu moins sympas que ceux d'Anouk.
Mais t'inquiète pas, ils sont quand même très élogieux. Voici les quelques adjectifs qui sont sortis que je leur ai demandé, mais à quoi vous pensez quand je vous dis le nom de Joyce? Alors Joyce, d'après eux, tu es exemplaire, serviable, jovial, ça aussi c'est ressorti plusieurs fois, droit et fiable, simple, flemmard, trouvez l'intrus, compatissant et bienveillant, sincère et à l'écoute, inébranlable, déterminé, attachant, calme et africain. Voilà les quelques mots qui viennent quand on pense à Joyce. Alors, après avoir entendu cela, Anouk et Joyce, est-ce que vos proches vous connaissent bien ? Inébranlable, je dirais pas juste. Non, c'est assez vrai. Je vous donnerai une liste de noms après, si vous voulez. Donc j'espère, pour ceux qui connaissent mieux l'un des deux mariés que l'autre, j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire plus connaissance avec celui ou celle que vous connaissez moins. Et je vous garantis, ça vaut vraiment la peine. Ces deux amoureux qu'on a là, et qui vous ont été donc présentés avec ces quelques adjectifs, ils se sont rencontrés à l'occasion d'un anniversaire. Celui de Noémie, la sœur d'Anouk, qui fêtait ses 18 ans. Joyce était invitée. Et Anouk, qui ne le connaissait pas vraiment à ce moment-là, qu'il avait peut-être croisé deux, trois fois, avait été chargée de le contacter et puis de l'inviter à cet anniversaire. Et puis à cette occasion, elle s'est dit qu'il était plutôt beau garçon. Joyce, lui, il ne s'est rien dit de particulier, à part que c'était la sœur de Noémie. Voilà, il était très factuel, toujours Joyce. Hein, voilà. Et puis au fil du temps, ils se sont rapprochés, notamment lors d'un camp de quartier libre à Balègue, où Joyce, à un moment, a vu Anouk descendre les escaliers dans une belle robe. Et là, il s'est vraiment rendu compte à quel point elle est belle. Et puis Anouk, de son côté, elle commençait à se projeter, à pouvoir se projeter avec ce garçon qu'elle trouvait profondément gentil, serviable, sincère, attentif aux autres. Et puis ensuite, au fil du temps, Joyce, qui commençait à vouloir passer de plus en plus de temps avec Anouk, a appris qu'elle participerait à un grand camp entre différentes églises qui a eu lieu pendant l'été 2015 au Kingdom Festival. Comme il avait besoin d'un prétexte pour y être et qu'il était aussi intéressé par la petite réduction sur le prix, il a décidé de se porter volontaire pour faire la vidéo pendant le camp. Et ça lui a donné l'occasion de passer aussi du temps un peu avec Anouk. Parfois, les motivations pour servir ne sont pas toujours celles que l'on croit. À partir de là, les longues conversations sur Snapchat ou WhatsApp, juste parfois au milieu de la nuit, vont leur permettre de faire connaissance. Et puis un jour, alors qu'ils étaient invités quelque part et qu'ils essayaient de réfléchir à la façon dont ils allaient présenter leur relation, ils se sont dit « Bon, ben, je crois qu'on peut dire qu'on est un couple. » 3 ans plus tard, à l'été 2019, à Dijon, Joyce décide de demander Anouk en mariage. Il faut savoir une chose sur eux, c'est qu'ils sont apparemment pas très attachés à la symbolique des dates, et ils ont eu de la peine à me dire à quelle date c'était. Donc on va dire que c'était le 8 ou le 9 août 2019, voilà. Et puis quelques temps plus tard, le 9 janvier 2021, Anouk et Joyce se sont dit oui devant les autorités civiles et sont devenus monsieur et madame Mayamba depuis cette date. Joyce et Anouk, c'est un privilège, c'est une joie de vous entourer, d'être là avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous accompagner dans cette journée qui est exceptionnelle, où vous avez décidé de demander la bénédiction de Dieu sur votre mariage. Vous pouvez souffler, la préparation s'est terminée, vous pouvez vraiment profiter de cette belle journée avec tous les gens qui vous aiment et sous le regard de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, Anouk et Joyce avaient vraiment à cœur de vouloir vivre cette journée sous le regard de Dieu. Et c'est pourquoi on va maintenant passer à un temps de chant. Pourquoi est-ce qu'on chante dans une telle occasion ? C'est déjà pour dire notre joie, mais il y a quelque chose de plus. On veut chanter en l'honneur de ce Dieu sous le regard duquel Anouk et Joyce veulent se célébrer et demander la bénédiction. On veut lui dire notre reconnaissance à ce Dieu et lui dire qui il est pour nous, parce qu'on est convaincus, et ils le sont, que c'est lui qui est le fondement
du mariage, de leur mariage et de toutes nos vies. Alors que nous puissions vivre ce temps dans la joie et dans la reconnaissance. Et on vous invite à vous lever. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur.
ton nom glorieux. Nom du Seigneur, béni soit ton nom. De te louer tous ensemble. Seigneur, même si on ne se connaît pas forcément tous, on déclare qu'on est ensemble ta famille, Seigneur, et la famille, les frères et sœurs qui entourent Anouk et Joss aujourd'hui. Et Père, j'aime parce que ces chants, ils disent vraiment que, en fait, c'est un choix de te louer, c'est un choix qu'on fait dans nos vies de t'accepter, de te connaître, d'apprendre à marcher avec toi. Et le mariage aussi, c'est ce choix. Et Père, qu'on puisse aujourd'hui faire ce choix encore une fois de te louer, de t'offrir nos chants, t'offrir nos cœurs, nos vies, Seigneur, parce que tu mérites tout cela, Seigneur. Jésus, merci parce que tu es le centre, et on déclare que ce soit le cas pour nos vies et pour le couple d'Anouk et Joss. Jésus, ton nom merveilleux au milieu de nous. Amen. Tu es assis.
Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Se déverse en moi, car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir.
Je vais maintenant laisser la place à Lévi, frère du marié, qui va nous lire un passage dans la Bible. Merci Lévi. Alors le passage que je vais lire se trouve dans 2 Philippiens, versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père, de Dieu le Père. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Merci Seigneur pour ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui, non seulement à travers ce qui va être partagé, mais à travers le témoignage de tout ce que nous vivons pendant cette journée. Seigneur, viens ouvrir chacun des cœurs à pouvoir recevoir ce qui vient de toi, et puis que cette parole puisse vraiment faire naître en nous la vie, nous permettre de te connaître et de t'aimer comme tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ça va peut-être un peu vous étonner ce que je vais dire, mais je trouve que tout ce qu'on vit là depuis une quarantaine de minutes maintenant, ça me fait un petit peu penser à une pièce de théâtre. Bah, déjà, on est tous venus déguisés avec nos costumes. Il y a un scénario qui est bien ficelé. Alors, je ne sais pas si on va réussir à respecter le timing, mais a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On a des rôles qui sont bien définis. Vous, c'est d'être des témoins et puis aussi d'applaudir. Vous, finalement, vous bossez moins que moi, je me rends compte. Voilà. Chacun, on a nos rôles, on a notre place, il y a un scénario, et on sait plus ou moins comment ça va se finir. Alors pour moi qui ai fait quelques années de théâtre, eh ben honnêtement, ça me rappelle une pièce de théâtre. Et puis, dans une pièce de théâtre, comme dans un film, comme dans un manga, ou comme dans toute œuvre de ce type, il y a des personnages secondaires, il y a des personnages qui passent, et puis il y a souvent un protagoniste, un personnage principal, un héros de l'histoire. Et tous les autres personnages, ils sont là pour mettre ce héros, pour mettre ce protagoniste en valeur. Anouk et Joyce, ça fait des mois qu'ils préparent ce moment. Ils ont sué, ils ont douté, ils ont eu des moments de joie. Et c'est un jour qui est exceptionnel pour eux. Peut-être le plus beau ou un des plus beaux de leur vie. Mais moi, ce qui me touche, c'est que si ce jour était une pièce de théâtre, ce que j'ai senti en préparant ce moment avec eux, c'est qu'ils ne voulaient pas être les personnages principaux. Ils ne voulaient pas être le protagoniste de cette journée. Ils ont accepté d'être des personnages importants, mais secondaires de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors, qui est le héros ? Qui est le protagoniste, le personnage principal de cette journée ? Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Voilà.
c'est Dieu, c'est le Christ lui-même qui est, je crois vraiment pour vous, le personnage central. Peut-être pour certains d'entre nous, ça nous parle beaucoup. On est là, ouais, super, ça me parle de dire que Jésus est au centre. Pour d'autres, vous voyez ça avec indifférence ou vous trouvez ça, intriguant. Pour d'autres encore, vous ne comprenez pas trop cette perspective et vous vous dites, mais non, moi je suis là pour Anouk et Joyce et pour l'apéro. Où que vous en soyez par rapport à ce Jésus-Christ, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à être interpellé par le fait que cette journée, où ils auraient pu, et ça aurait été légitime finalement, ils auraient pu vouloir être les stars, être les personnages principaux, être ceux vers qui toute l'attention doit se tourner. Ils auraient pu décider de le faire. J'aimerais vous interpeller sur le fait que ce n'est pas dans cette attitude qu'ils sont venus et qu'ils ont décidé de mettre une autre personne à la première place de cette pièce de théâtre qu'on est en train de jouer. Un autre héros, un autre personnage principal. Alors quand on va parler de vous, Anouk, Joyce, aujourd'hui, c'est pas seulement de vous dont on va parler, mais en fait on va parler de quelqu'un d'autre qui est encore plus important que vous. Et parce que vous faites, parce que vous nous montrez, parce que vous nous témoignez, vous nous apprenez quelque chose sur ce personnage principal de cette journée, qui est le Christ. Et à travers ce qui va être vécu pendant ce moment, vous nous apprenez quelque chose, à nous tous. Vous nous dites quelque chose de Dieu. Vous nous dites que Dieu est un Dieu qui fait alliance. Ça, c'est la première chose que vous nous dites. Vous nous dites aussi que c'est un Dieu qui est en relation. Et vous nous montrez comment il est en relation. Ça, c'est la deuxième chose que vous nous montrez. Et la troisième chose que vous nous montrez, c'est que nous avons besoin de lui. Alors merci Anouk et Joyce de nous donner l'occasion de pouvoir encore apprendre quelque chose de qui est Dieu aujourd'hui. La première chose donc que vous nous transmettez, que vous nous témoignez, que vous nous montrez dans cette journée, c'est que Dieu en Jésus-Christ est un Dieu qui fait alliance. Alors le mot alliance, peut-être que c'est un mot qui nous parle assez peu, parce que c'est vrai que dans notre contexte, dans notre société, on est plutôt habitué à des contrats. Les contrats, à partir d'un certain âge, on en a toutes et tous signé au moins un. Un contrat, c'est cet engagement entre deux parties qui décident de s'engager à un certain nombre de choses. Et puis elles signent, ou ça peut être même oral. Et puis si l'autre partie ne respecte pas les termes du contrat, et bien normalement, même si je sais que dans le monde réel c'est un peu plus compliqué que ça, il y a beaucoup de procédures, etc. Mais normalement, le but du contrat, si l'un des deux ne respecte pas, c'est qu'on puisse le rompre. Si je continue de payer mon abonnement de téléphonie, assez cher en plus chaque mois, je m'attends à ce qu'en retour, ils me fournissent un accès aux SMS, à Internet, aux appels téléphoniques, etc. Et si l'autre partie ne me fournit pas ce qui était prévu dans le contrat, au bout d'un moment, il va falloir le rompre. Ça, c'est un contrat. Et on a une mentalité de contrat. Dans bien des domaines, parce qu'on est entouré de contrats. On en signe. Et c'est ce qui structure beaucoup nos vies, et même des fois nos relations. Dans la Bible, il y a une notion qui est beaucoup plus forte et bien différente du contrat. C'est la notion d'alliance. Et c'est une notion qu'on retrouve pas seulement dans la Bible, qui est un livre écrit dans le Proche et le Moyen-Orient ancien, mais qu'on retrouve aussi dans plein d'autres cultures, dans des cultures africaines, dans des cultures amérindiennes, dans des cultures asiatiques, dans plein de cultures, on retrouve cette notion d'une alliance. Alors vous allez me dire, ok, un contrat, on voit ce que c'est, mais une alliance, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est une relation qui est fondée sur un engagement et des promesses. Et dans la Bible, c'est une relation qui est fondée sur des promesses devant Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui en est le garant, et c'est devant Dieu qu'on est redevable. Une alliance, dans ce Proche-Orient ancien,
Dans le contexte dans lequel la Bible a été écrite, c'est un peu comme si on prend des chefs de tribu, des chefs de famille, ils ont des troupeaux, ils ont peut-être une petite armée ou des hommes à leur disposition, ils vont se dire l'un à l'autre, nous faisons alliance. Ça veut dire que tout ce que j'ai en ma possession, je le mets à ta disposition. Tous mes hommes, mes troupeaux, etc., etc., je les mets à ta disposition. Tes amis deviennent mes amis. Tes ennemis deviennent mes ennemis. Quand tu te feras attaquer, je viendrai, même au prix de ma propre vie, te défendre. Ça, c'est une alliance dans le contexte dans lequel la Bible a été écrite. Et la Bible nous parle du mariage comme d'une alliance. C'est plus qu'un contrat. Dans un contrat, c'est tout à fait légitime au moment où l'autre partie ne respecte pas vraiment ses engagements comme il aurait dû le faire, de décider de rompre, d'arrêter. Mais dans une alliance, on ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que dans une alliance, on sait donner soi-même et tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, à celui ou à celle avec qui on a fait alliance. Et donc dans une alliance, Anouk, tu ne peux pas dire à Joyce, je t'aimerais si tu apprends à cuisiner autre chose que des pâtes et des omelettes, par exemple. Dans une alliance, Joyce, tu ne peux pas dire à Anouk, je te serai fidèle si tu dépenses pas trop d'argent en habits. Et cette alliance, c'est un engagement qui est non seulement entre vous deux, mais aussi devant Dieu. Ça veut dire que c'est devant lui que vous êtes redevable. Et du coup, ça veut dire que votre engagement, il ne va pas dépendre de ce que vous avez l'impression que l'autre donne, de sa performance, de sa capacité ou non à répondre à vos attentes, ni même des circonstances que vous allez vivre. Dans une alliance, vous décidez, même si vous avez l'impression que ça ne répond pas exactement aux attentes que vous aviez, de continuer de vous engager. Même si les circonstances de vie ne sont pas celles que vous espériez, vous continuez à vous engager. Même si vous avez l'impression que l'autre n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous auriez espéré, vous continuez à vous engager. Et l'alliance, ça donne une sécurité. Parce que vous savez que c'est dans cette perspective que l'un et l'autre vous vous engagez. Et donc vous n'avez plus besoin de vous vendre à l'autre en faisant croire que vous êtes meilleur que ce que vous êtes vraiment. Devant l'autre, vous pouvez être vrai. Vous pouvez montrer vos faiblesses. Vous pouvez montrer vos problèmes. Vous pouvez dire vos combats. Parce que vous ne vivez pas dans la peur que l'autre parte à tout moment, dès qu'il aura l'impression que vous n'êtes plus assez bien. Merci Anouk et Joyce, parce que en faisant ce geste qui est un peu fou, je trouve, aujourd'hui, en fait, vous nous apprenez quelque chose sur Dieu. Vous nous apprenez que c'est de cette façon-là que Dieu entre en relation avec nous, dans une alliance. Et si certains d'entre nous ont peut-être l'image d'un Dieu qui fonctionne par contrat, eh bien, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Anouk et Joyce. Dieu veut faire alliance avec chacun et chacune d'entre nous. La deuxième chose que vous nous apprenez, c'est que vous nous montrez comment ce Dieu en Jésus-Christ entre en relation. Et j'aimerais revenir au texte que Lévi nous a lu. C'est un texte qui concerne toutes les relations dans l'Église, c'est-à-dire pas le bâtiment, mais tous les gens qui croient en Jésus-Christ. Un petit truc, à chaque fois que vous lisez quelque chose dans la Bible qui parle des relations, et notamment dans l'Église, ça s'applique aussi au mariage. Et je dirais même que le mariage, c'est le premier lieu où ça peut s'appliquer et où ça devrait être appliqué et vécu. Et dans ce texte, on voit plusieurs choses, mais j'aimerais en relever trois dont vous nous témoignez aujourd'hui. La première, c'est que en Jésus-Christ, Dieu est un Dieu qui aime. L'amour, parfois, on peut avoir cette idée que c'est les papillons dans le ventre quand on rencontre ou quand on voit la personne, ou un sentiment. Mais dans ce texte, il y a une image de l'amour qui nous est donnée, d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, justement, se donne.
Comment on peut voir que Dieu aime l'humanité? C'est parce qu'il se donne. L'amour, il fait passer, comme le dit ce texte, les intérêts des autres avant le sien. Il se dépouille, il se donne. Et en vous donnant l'un à l'autre, comme vous le faites aujourd'hui, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, eh bien vous nous renvoyez l'image d'un Dieu qui se donne par amour. Vous nous renvoyez aussi l'image d'un Dieu qui aime, mais qui aime des gens qui ne sont pas forcément parfaits. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes d'accord? À un moment, vous êtes rendu compte que l'autre n'est pas parfait. D'accord, vous êtes déjà passé cette étape aussi. Pourtant, vous décidez aujourd'hui de vous donner l'un à l'autre, malgré ça. Comme Dieu, s'il y en a un qui est bien placé pour savoir qu'on n'est pas parfait, c'est lui, s'est donné en Jésus-Christ, entièrement pour nous. Et en ce faisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous pardonner et nous proposer d'être réconciliés avec lui. Et vous témoignez de cela. Vous témoignez que vous allez vous donner l'un à l'autre, malgré vos imperfections, même si vous allez vous planter, même si vous savez déjà qu'il y a plein de choses qui vont être difficiles, vous décidez de vous donner l'un à l'autre, comme le Christ a décidé de se donner pour nous. Et la troisième chose que vous nous montrez, c'est que en Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous servir. Alors ça, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas? Le texte dit qu'il a pris voilà, cette position, cette condition de serviteur. Quand on pense aux religions, quelles qu'elles soient finalement, on pense plutôt à l'idée que nous devons servir Dieu. C'est ce qui vient assez naturellement, n'est-ce pas? Vous nous témoignez d'un Dieu qui est venu pour servir. Si on sert Dieu dans le message et dans la foi chrétienne, c'est parce qu'il est venu, lui, d'abord, nous servir en premier. Je vous assure, on a beaucoup plus besoin de Dieu que lui a besoin de nous. Et c'est aussi le témoignage que vous nous donnez. En vous servant l'un l'autre, en vous aimant, en vous donnant, en prenant soin de l'autre, vous manifestez, vous montrez concrètement l'image de ce Jésus qui est venu nous aimer et nous servir. En vous pardonnant, vous êtes l'illustration de ce Jésus qui est venu pour nous pardonner. En vous réconciliant, vous êtes une illustration de Jésus qui est venu nous proposer d'être réconciliés. Si vous vous posez des questions aujourd'hui, où vous soyez, mais à quoi ça ressemble l'amour de Dieu concrètement? Eh bien, regardez Anouk et Joyce aujourd'hui et ce qu'ils font. Voilà un témoignage, voilà une image de ce que c'est l'amour de Dieu. Vous nous annoncez une bonne nouvelle en fait aujourd'hui. Vous nous annoncez la bonne nouvelle d'un Dieu qui, par amour, s'est donné pour nous, malgré toutes nos imperfections, malgré tous les moments où on s'est planté, ce que la Bible appelle le péché, qui est venu nous inviter à être réconciliés avec lui et à être pardonnés. Et c'est un Dieu qui est venu nous servir, qui est venu prendre soin de nous, qui est descendu au plus bas et qui nous invite à prendre et à suivre son exemple. Ça va, pas trop de pression? Peut-être que vous vous dites, après avoir entendu tout ça, bah, la barre elle est vachement haute, hein, le standard, voilà, on doit vraiment être l'image de Dieu, on doit témoigner dans notre relation, on doit manifester ce que c'est l'amour de Dieu en toutes circonstances. Peut-être que pour vous, c'est une trop grosse pression. Ça va? Non? Facile? Ça semble dur quand même, dit Anouk. Moi, je dirais que même c'est plus que dur. La mission qui vous est proposée est impossible. Et si vous la trouvez impossible, eh ben, c'est que vous êtes sain d'esprit et que vous avez tout à fait raison, en fait. Parce que vous n'allez pas réussir. Vous allez vous planter. Vous allez être des témoins imparfaits. Vous allez être des illustrations de cet amour de Dieu, mais pas des copies conformes. Moi, il y a quelques jours, j'ai reçu de la part de mon filleul qui a moins de 4 ans, un dessin de moi. Voilà, c'est pas sur le plan technique tout à fait ressemblant.
Et parfois, dans nos vies, quand on témoigne par nos vies de Dieu, de son amour, ben c'est souvent un peu comme ça, c'est comme ce dessin. Et vous allez être comme ça aussi dans votre relation. Parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas réussir à vous donner l'un à l'autre et à vous servir, parce que vous allez être égoïste. Il y a des moments où vous n'allez pas réussir à vous pardonner tout de suite, parce que vous allez avoir de la rancœur et de l'amertume. Il y a des moments où vous n'allez pas réussir à vous encourager comme il faudrait, parce que vous allez peut-être dans l'indifférence, ou vous allez même des fois vous blesser par vos paroles. Mais même là, en fait, vous allez nous montrer quelque chose de Jésus. Parce que malgré tous nos plantages et tous nos ratés, lui, il reste fidèle. Et il continue de se donner. Le mariage, ça, je l'ai expérimenté déjà un petit peu en quelques années. Certains d'entre vous, beaucoup plus que moi encore, ça révèle vraiment nos limites. Ça révèle nos limites d'amour, nos limites de patience, les limites de notre esprit de service, les limites de notre capacité à pardonner, etc., etc. Il paraît que les enfants, encore plus, mais ça, je ne sais pas encore. Quand vous allez atteindre vos limites, et à un moment vous allez les atteindre, ce sera le bon moment pour aller venir chercher les ressources là où elles sont, en Jésus-Christ. Vous rappelez de l'alliance que vous avez avec lui et lui demandez dans la prière de vous donner ce dont vous aurez besoin. Chercher en Jésus, ça veut aussi dire autour de vous. Parce que la Bible dit que cette communauté qui vous entoure, c'est son corps. Alors maintenant qu'on l'a tous entendu et qu'on le sait, on sait que vous n'êtes pas parfait, on sait que vous n'allez pas faire tout juste, maintenant on l'a entendu, eh bien ça ne nous étonnera pas si un jour vous avez besoin d'encouragement dans votre couple, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de présence. Vous n'aurez pas besoin de faire semblant que tout va bien, toujours, que tout est parfait. Vous pourrez demander l'aide de Dieu et de ceux qui vous entourent. En conclusion, j'aimerais encore vous remercier parce que vous nous avez appris et vous nous apprenez à travers cette journée tellement de choses sur qui est Dieu et sur comment il est en relation avec nous. Jésus, c'est le personnage principal de cette journée, n'est-ce pas ? Et ce qu'on vous souhaite, c'est qu'il soit le personnage principal de vos vies. Parce qu'ensuite, dès demain, vous serez dans la réalité. Ouais, peut-être dans une semaine ou deux. Et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que dans votre vie à chacun, dans votre vie de couple, vous soyez des personnages importants, mais secondaires. Et que Jésus-Christ soit le personnage principal. Je sais que vous ne vivez pas pour des valeurs, pour une tradition, pour une cause, mais pour une personne, Jésus-Christ. Alors merci d'être ces témoins, ces espèces de panneaux indicateurs. Vous voyez, le principe d'un panneau indicateur, c'est qu'il ne va pas seulement attirer l'attention sur lui, mais c'est qu'il va pointer vers une destination. Et bien que vos vies soient des panneaux indicateurs qui pointent vers le Christ. Et nous, ici présents, ce qu'on a envie d'être pour vous, c'est un encouragement sur ce chemin. On veut vous accompagner. On veut vous rappeler, peut-être les moments où vous serez tenté de redevenir le personnage principal ou de reprendre le premier rôle, de vous rappeler qu'il y en a un autre qui l'assumera bien mieux que vous et que vous pouvez être déchargé de ça. Et comme vous, aujourd'hui, vous nous appelez à faire de Dieu le personnage principal de nos vies, eh ben, on aimerait être sur votre parcours des gens qui vous rappellent de faire de Dieu le personnage principal de vos vies. Ça vous va comme projet ? Alors, amen. On va prier. Seigneur Dieu, merci d'être le centre de ce que nous vivons, aujourd'hui encore. Merci de nous apprendre tellement sur toi à travers cette cérémonie, à travers cette relation, à travers cette journée et à travers nos vies. Seigneur, viens ouvrir encore nos cœurs maintenant pour que nous puissions vraiment recevoir de ta part cette invitation d'entrer dans cette alliance avec toi, en Jésus-Christ.
pour être pardonné, pour être réconcilié, pour recevoir ton amour et le partager. Et donne-nous, en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'amis, d'être des encouragements pour Joyce, pour Anouk, pour qu'ils puissent toujours et de plus en plus le vivre. Amen. On va maintenant passer au moment tant attendu. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vous invite à venir, à vous mettre devant, pour le moment des engagements. Est-ce qu'on peut prendre des micros pour... Vous les voyez bien ? Vous voulez peut-être vous mettre là, peut-être qu'ils vous verront aussi depuis dehors. Alors pour ce moment où vous allez vous nous redire quelque part les engagements que vous avez déjà pris l'un envers l'autre, je propose à tout le monde de se lever pour l'écouter. Joyce, je vais commencer par toi. Joyce, tu as pris Anouk pour épouse. Est-ce que tu lui promets de l'aimer, de la respecter, de l'encourager, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et dans les mauvais jours, et de lui rester fidèle toute votre vie? Oui, je le veux. Anouk, tu as pris Joyce pour mari. Lui promets-tu de l'aimer, de le respecter, de l'encourager, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, et lui rester fidèle pendant toute votre vie ? Oui. J'ai encore une dernière question pour vous. Est-ce que vous acceptez ensemble la responsabilité de parents qui peut vous être donnée? Et voulez-vous élever dans la foi en Jésus-Christ les enfants qu'il vous serait donné d'accueillir? Oui. Oui, on le veut. Non seulement nous sommes témoins, mais Dieu est témoin de vos promesses. Et c'est lui qui vous donnera la joie et la force pour les vivre. On va maintenant passer à un temps d'échange des alliances. Et comme ceux qui sont à l'intérieur parmi nous sont un petit peu privilégiés quand même depuis le début, les mariés avaient à cœur de pouvoir vivre ce temps d'échange des alliances, et peut-être de bisous, à l'extérieur, à l'entrée de l'église. Donc on va se retourner, et puis ceux qui sont à l'extérieur, eh ben c'est vous qui serez aux premières loges sur ce coup. Et c'est d'Olivia, la petite sœur du marié, qui va venir apporter les alliances. Les gens qui sont dehors, vous pouvez vous approcher et venir sur la place si vous voulez les voir de plus près. Je crois que tu peux embrasser la mariée.
Les mariés, vous pouvez vous asseoir. Les mariés, non, pas vous, pardon. Parenthèse, tous les autres. Les mariés avaient à cœur de partager aussi quelques mots de promesses personnelles pour conclure ce moment d'engagement. Ça va être long, accrochez-vous. Cher Anouk, mon amie, ma fiancée, mon épouse, quelle joie de pouvoir l'annoncer publiquement. Quelle fierté de pouvoir dire que je suis ton mari. Et encore plus aujourd'hui parce que je suis convaincue que j'ai fait le bon choix de cheminer le reste de ma vie avec toi. De vivre les bons moments, mais aussi les mauvais. De continuer à partager notre foi, à l'édifier et à la construire ensemble. Je me réjouis de voir le Christ guider notre foyer. Je me réjouis de pouvoir élever nos enfants ensemble dans la crainte de Dieu et avoir l'amour et voir l'amour qu'on leur donnera. Je me réjouis de découvrir les aventures que notre Père Céleste nous réserve. Je me réjouis de vivre avec toi chaque jour de ma vie. Toutes ces réjouissances sont aussi des promesses. Oui, tous ces éléments cités doivent se concrétiser. Pour cela, je te promets de mettre ma grande flemme, ils l'ont dit tout à l'heure, j'étais flemmard, ma grande flemme de côté, afin que le Christ puisse être notre berger, afin qu'il puisse m'aider à te soutenir et à t'aimer comme lui nous aime, à t'être fidèle. Et je te promets toujours de continuer à te faire rire et toujours à m'émerveiller devant ton magnifique sourire. Anouk, je suis à toi et tu es à moi. Ensemble, nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'une famille. Cette famille ne formera qu'un avec Dieu. Notre famille vivra l'amour et tendra à avoir un parfum agréable à Dieu. Mon cœur, mon amour, je souhaite que tu retiennes dans ton intellect, dans ton intelligence, mais aussi dans ton cœur, ces prochains mots que je vais t'annoncer. Prépare-toi, parce que ces mots sont forts. Ils sont remplis de beaucoup d'amour, de beaucoup d'émotions. Et la manière dont je vais te dire sont uniques et adressées seulement à la femme qui a su séduire mon cœur. Anouk Mayamba, je t'aime. Joyce, je suis dans la reconnaissance envers Dieu pour la grâce que tu es dans ma vie depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai envie de te dire merci. Merci de m'avoir toujours soutenue dans mon parcours de vie parfois orageux. Merci de me faire rire et de me rassurer au quotidien. J'aime qui tu es, avec moi et avec les autres. J'aime que ta façon de vivre reflète tes valeurs. J'aime juste chaque instant passé avec toi. Tu es le meilleur et le plus beau des coéquipiers. Alors, puisque j'ai la chance de pouvoir prendre soin de toi pour le reste de ma vie, j'aimerais, avec l'aide de Dieu, te promettre de me laisser transformer par Dieu de jour en jour et de tenir ferme dans la prière, de laisser passer les intérêts de notre couple avant les miens, de t'aimer et de te soutenir dans tes projets, d'être honnête envers toi, de te rester fidèle, peu importe les épreuves que la vie nous réserve. Et si Dieu nous accorde la grâce d'avoir des enfants, je te promets de leur transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Joyce Mayamba, je me réjouis des aventures, belles ou moins belles, qui sont devant nous. Je suis fière de devenir ta femme. Je t'aime, Nalin Guillot. Pour rester debout, les mariés, je vais maintenant inviter les parents et témoins qui vont venir prier pour vous et vous dire aussi un mot. Je les invite à venir et à vous entourer.
va commencer par un petit mot des papas et après on va finir par une prière des témoins. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères familles, chères belles familles, je vous salue dans le nom du Seigneur. En quelques mots, je vais m'adresser à ma belle-fille Anouk et à mon fils Joyce Bénédicte. Ma chère Anouk, c'est avec beaucoup de joie que Dorothée et moi-même t'accueillons dans notre famille. Voilà maintenant quelques années que nous nous connaissons et nous savons déjà à quel point tu seras la femme idéale pour notre cher fils. Depuis notre rencontre, tu as su trouver ta place parmi nous et nous t'apprécions énormément. Je suis également et particulièrement fier de Joyce, mon fils bien-aimé. Ta maman et moi avons célébré notre mariage en ce lieu il y a de cela 8 ans. Te voilà prêt à commencer une nouvelle période de ta vie qui sera, j'en suis convaincu, riche en projets divers et variés. C'est maintenant ton tour de construire ton foyer. Malgré les aléas de la vie, sachez que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Quand vous m'avez annoncé votre volonté de vous marier, je n'ai pas été surpris dans la mesure où votre attachement si sincère en disait long. Alors aujourd'hui, je ne peux que vous souhaiter d'être les plus heureux du monde et de rester unis dans les bons comme les mauvais moments. Sur ce, je vous prie de méditer sur cette parole de Dieu qui se trouve dans Colossiens 3, versets 12 à 15. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout, tout cela qu'il y ait, l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Amen. Cher Joyce, cher Anouk, au nom également de Myriam, je m'adresse à vous avec une profonde reconnaissance pour notre Seigneur. Nous sommes profondément heureux pour cette journée où vous demandez la bénédiction de Dieu sur votre couple. Ce que vous avez vécu et vivez témoigne de l'action et de la fidélité de Dieu, aussi bien dans les temps faciles que très difficiles, individuellement comme en couple. Votre parcours de foi est un cadeau pour nous. Votre désir de mettre Dieu au cœur de votre couple est une bénédiction qui rejaillit sur nous. Votre honnêteté et votre humilité nous honorent. Joyce, je suis heureux de t'accueillir comme 4e fils dans la famille. Tu es un homme que nous respectons et aimons profondément. Anouk, je suis heureux de te savoir entre de bonnes mains, avec un mari qui te respecte et qui respecte Dieu. J'aimerais vous laisser les versets suivants de Proverbe 3. Que l'amour et la fidélité ne vous fassent jamais défaut. Attachez-les autour de votre cou, gravez-les sur les tablettes de votre cœur, et vous obtiendrez la faveur de Dieu et des hommes. Vous aurez la réputation d'être un homme et une femme de bon sens. Mettez votre confiance en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous reposez pas sur votre propre intelligence. Tenez compte de lui pour tout ce que vous entreprendrez et il vous conduira sur le droit chemin. Ne vous prenez pas pour des sages. Craignez l'Éternel et détournez-vous du mal.
ce sera une bonne médecine qui vous assurera la santé du corps et la vitalité de tout votre être. Que Dieu vous soutienne, qu'il soit votre référence et votre recours dans les bons et les moins bons moments. Nous vous aimons. Seigneur, tu peux voir déjà que ça fait quelques jours que je prie et que j'essaie de savoir ce que tu aimerais que je prie aujourd'hui pour mon meilleur ami Joyce et sa toute belle et douce Anouk. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ce que j'aimerais prier, qu'est-ce que tu essaies de mettre dans mon cœur, et le mot qui ressort est merci. Merci pour ces amis précieux que tu m'as donnés. Merci pour qui ils sont. Merci pour cette alliance qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui. Merci de me permettre de vivre ce moment avec eux. Merci de tout l'amour que tu as pu mettre en eux. Merci pour ces personnes incroyables qu'ils sont. Merci vraiment pour le soutien que tu es pour eux. Merci pour la lumière qu'ils ont été pour moi et pour la lumière qu'ils sont sûrement pour d'autres et qu'ils seront pour plein d'autres personnes. Et que c'est beau de les voir ensemble, que c'est beau de les voir se dire oui. Je te remercie pour ces moments, je te remercie pour cette journée, pour ces futurs moments que je vais pouvoir vivre avec eux et ces futurs moments que d'autres personnes pourront vivre avec eux. C'est vraiment des personnes incroyables et merveilleuses. Et le seul mot qui ressort à chaque fois, c'est merci Seigneur, merci. Merci pour cette personne merveilleuse et précieuse que tu as mis sur ma route et que tu as mis sur la route d'autres personnes. Amen. Seigneur, on est tellement reconnaissants de pouvoir être réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Anouk et Joyce, mais surtout de pouvoir remettre leur mariage devant toi. Je veux aujourd'hui te les remettre en sachant que tu prends soin d'eux, que tu les connais parfaitement et que tu les aimes. Je te prie pour que leur relation personnelle avec toi puisse grandir et que leur couple se rapproche toujours plus de toi. Qu'ils puissent être une source de bénédiction et de joie pour les personnes qui les entourent et qu'ils rencontreront dans le futur. Seigneur, je te prie pour que des enfants les rejoignent un jour et qu'ils puissent construire leur famille avec toi. Comme on l'a vu, tu ne nous as pas promis que la vie avec toi était plus facile, mais que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te prie que tu sois ce rocher sur lequel Anouk et Joyce s'appuient jour après jour. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre place. Anouk et Joyce aussi. Et encore un petit cadeau pour vous, de la part de la paroisse réformée du Mont-sur-Lausanne, qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez vraiment voulu que cette journée soit centrée sur le Christ et fondée sur lui. Et l'endroit où il se révèle, c'est dans sa parole, dans la Bible. Alors, la paroisse vous fait ce cadeau d'une Bible, comme signe aussi d'encouragement pour vous, à vous en nourrir, à la lire l'un et l'autre et ensemble, et à y découvrir ce Dieu que vous aimez et avec qui vous voulez vivre. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la place au major de table de la journée pour quelques annonces. Alors bonjour à tous, je suis Pauline, je suis l'un des trois majors qui va suivre cette journée. Alors on sera là pour répondre à votre question et vous guider un peu pendant cette journée. Alors tout d'abord j'aimerais vous remercier pour votre attention. Je pense que c'était un honneur pour nous tous d'être les témoins de cette alliance aujourd'hui, c'était une très très belle cérémonie. Alors je vais vous demander d'être attentif aux quelques annonces qui vont suivre. Alors tout d'abord par rapport à la sortie de l'église, les mariés vont sortir en premier et ensuite nous autres on sortira. Ils vont se tenir devant la paroisse qui est donc juste à côté de l'entrée pour saluer ceux qui ne viennent pas à l'apéro
Pour ceux qui viennent à l'apéro, on vous demandera de directement rejoindre vos véhicules et puis de vous diriger donc à Emmaüs, le lieu où se tiendra l'apéro. Il va y avoir une offrande donc, à la sortie de l'église. Il y a également des paniers d'offrandes à l'extérieur sur les tables, pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc, pour cette offrande, il y aura 50% pour la paroisse ici et 50% pour Emmaüs, donc le lieu de l'apéritif. Maintenant, je vais laisser donc, les deux autres majors vous faire également quelques annonces par rapport à l'apéro. Comme ça, vous pouvez bien voir qui est-ce qu'ils sont et puis savoir vers qui vous dirigez si jamais vous avez des questions. Puis je vous souhaite une bonne suite de cette journée à vous tous. Du coup, je suis Zoé, la témoin, mais aussi une des majors. Par rapport à l'arrivée à l'apéro, vous avez chacun reçu normalement, si ce n'est pas le cas et l'on reste à l'extérieur, un bracelet de couleur. Ça a pour but de vous répartir dans différents groupes pendant l'apéritif. Quand vous arriverez sur le lieu de l'apéritif, il y aura différents espaces qui sont prévus avec des tentes blanches. Et puis, aux tentes sont suspendues des décorations de la couleur de vos bracelets. Donc, normalement, vous devriez reconnaître l'endroit où vous êtes censé passer l'apéritif. Sur chaque lieu d'apéritif, il y a un buffet de nourriture et de boissons qui est à votre disposition. On vous propose de commencer l'apéritif quand vous arrivez sur place. Les mariés nous rejoindront un tout petit peu plus tard, une fois qu'ils auront terminé de saluer les autres invités ici. Et puis, on fera un santé avec eux après. Voilà. Voilà, alors je suis le dernier major avec ces dames. Vous m'avez peut-être vu courir par-ci, par-là. Je m'appelle Jean-David et je viens vous parler un petit peu du Covid. Hein. C'est un peu embêtant, mais une restriction assez étonnante qui nous touche particulièrement aujourd'hui, c'est le fait que les dancing sont interdits. Donc, ma foi, on va bouger dans notre coin, mais il est impossible de mélanger les trois groupes, donc on va vous demander de rester vraiment dans vos tables respectives de toute façon. On va aussi vous demander de garder le masque entre vos déplacements quand vous quittez votre groupe pour être sûr que toutes les règles soient bien respectées. Voilà, juste avant le mariage, il y avait eu un petit embouteillage sur l'autoroute. Normalement, tout devrait être bon, mais ceux qui veulent aller à l'apéro, une fois que les mariés sont sortis, eh bien, voilà, je vous conseille de prendre la route et puis on va regarder si... On espère que le bouchon s'est dissipé. Voilà, à tout à l'heure. Peut-être juste une petite information logistique. Sur place, il y aura des personnes qui vous indiqueront comment vous garer. Donc, merci d'être attentif à ces personnes qui vous font des signes. Voilà. Voilà, on est arrivé au terme de cette cérémonie. Je vous propose de vous lever juste pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction et être envoyé. Anouk et Joyce, nous tous, allons sur nos chemins, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soient avec tous et chacun. Et que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix, afin que nous puissions déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.